Bonsoir tout le monde, bienvenue sous TAC 509, tout haïtien connecté. C'est un grand plaisir pour nous rejoindre nous encore aujourd'hui dans l'émission Parlant, mon éditorial. Pour nous venir brasser l'idée, venir parler pays, venir parler intérêt collectif. Aujourd'hui, on voulait profiter de l'émission ça pour me saluer courage et détermination vraiment chaque grain haïtien qui pas décidé de célébrer. C'est très difficile vraiment pour chaque haïtien qui choisit goumen dans pays pour la vie meilleure, qui croit dans respect une l'autre, qui croit dans valeur, qui croit dans responsabilité. Pour moi, c'est des attitudes de battant, comportement ça extrêmement positif et au pas gain prix. M'encourager nous kembe la palage parce que si nous espérons un changement dans pays, c'est nous-mêmes avant tout qui pour contribuer. Dans micro présentation, c'est toujours même Yannick là, même voix, rien pas changé. En aller, nous pral déraper, faut que nous connaît déjà face à ampleur crise institutionnelle qui gagne dans la police que fantôme 509 yo créé. N'a théoriser population civile là sous prétexte y a goumen pour la vie mieux. Pour une meilleure condition de vie pour les policiers, eh bien, je dis à nous prendre à bord, il faut comprendre vraie raison politique qui créait, vraie raison politique qui campait derrière corps rebelles. Parce que là, vraiment, pas envie de mettre étiquette terroriste sous M. Phantom 509, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment impensable. Mais ça qui est sûr, c'est que au départ, Phantom 509 a mené en lutte pour changement, qui vient au cours de route pour l'autre direction, parce que puis devant, yo pral rencontrer avec des hommes politiques, des moun nan secteur privé qui gen l'argent, qui change yo, qui influence yo. Et jodi an nou e résultat, nou gon fantôme, nou gon groupe nèg armé qui rele tête yo fantôme 509, qui leur ouvre les gens, ouvre les prend la rue pour terroriser la population, pour vandaliser bien moun, nan l'idée, nan logique pour faire respecter droit pa yo. Alors que j'ai l'impression que pas kon kote droit yo commencé ni côté droit pa yo fini. Groupe Phantom 509 l'an prend naissance, nous ka di à partir de mauvaise gestion qui gagne en dedans la police là. À partir de vulnérabilité policier, de mauvais traitement y'a joine, yo pas ka toucher, leur affaire de nuit y'a dormi sous vieux matelas, toilette pas équipée. C'est tout mauvais traitement ça yo qui soulevé conscience collective policier yo et exige institution porter des solutions pour yo. Et pour nous clair, c'est que jodi an, pa tab janm gen sa nou rele SPNH, syndicat la police, si Phantom 509 yo pat mobilisé. Donc quelque part, syndicat SPNH c'est yon branche, c'est yon décantation de sa nou ka rele Phantom 509 yo qui t'a fait usage violence, qui t'a fait usage terreur, t'a terrorisé la population pour exiger l'état reconnaître syndicat et vraiment l'état cédé ba yo, l'état reconnaître syndicat. Et c'est là tout premier erreur l'état haïtien commencé. Nous voulons honnête sur un bagaille. Et faut que nous ka metten d'accord que c'est complicité différents acteurs politiques responsable droit moun, ignorance son parti dans population qui pas comprendre ni tête ni pied ni queue. Complaisance qu'est membre dans société civile là qui crée boba retardement ça que nous relé Phantom 509 parce que l'un choisi accepter en premier dérive faut que nous connaissons pas dernier dérive là a gain l'autre qui a venir qui plus violent et le ça n'a obligé réagir. Qui est ce qui composé ça nous carré les Phantom 509 yo? C'est des policiers en fonction, des policiers qui en instance de révocation, ça veut dire des policiers que l'inspection générale attendait, soit parce que ont fait infraction, soit parce que yo en contravention avec institution même. C'est des policiers que ont révoqué ou bien tout gen ça nous carré des présumés bandits en uniforme puisque tout le monde là-dedans, tout le monde dans ça nous les fantômes 509, c'est des individus cagoulés donc on pas ka identifier vraiment si c'est policier, vraiment si c'est bandit. Donc nous pas connait. Nan viv nan pays la, kote chaque jour nan brave danger, m senti quelque part ça vin influencer perception nou gen de San Karele un citoyen modèle. Si au tout début, nous te prend Phantom 509 comme des citoyens modèles qui exige l'état fait travail li, mais tout n'a pas être hypocrite en pile, là nous ferme les yeux nous sous dérive monsieur dame ça au fait nan pays an. Travail là c'est qui ça lié faut nous te ka prendre notre chaque fois Phantom 509 yo sorti yo change mission yo change discours yo et c'est vrai que yo décidé rallier dans politique là composition comme ça nous te ka relé entre guillemets des réparateurs de brèche parce que qui s'arrivait à chaque fois opposition prend la rue yo échoué Phantom 509 yo toujours sorti après pour rectifier tir là. C'est première liaison qui gagne entre Phantom 509 et opposition politique là.
Jodi an nou tout vle repons, tout la pose une seule question, ki es ki nan tèt groupe Fantôme 509 lan, ki es ka finanse yo, pou ki es yap travay, an pil gros question, mais repons yo se, nan situation Fantôme 509 lan, gen deux aspects pou nou considere. Premièrement, jamante li kon dil pou li ak ali yo, Fantôme 509 yo se de bandi legal, pou ki sa? Yo gen uniforme la police sou yo, yo gen badge la police pou la plu pendant yo, zam la police indépendamment de munitions qui la dans yo, équipement la police nan men yo. Donc c'est comme si violence yo a li légitime, d'autant plus direction générale la police pas faire ce que de droit pour éviter au nuit droit liberté reste population. Donc c'est normal pour yo agir n'importe qui le n'importe leur voulez pour yo terroriser population. On imagine inspection générale l'en fait connait que après enquête qui fait bien plus passé une centaine policiers qui fait partie groupe Fantôme 509 là. Qui décision qui j'en prend jusqu'à date contre policiers ça yo? Non seulement identité ou pas révélée au grand public, ni tout pas gain aucune mesure de sanction qui prend. Là nous ka di jodi an, c'est résultat irresponsabilité direction générale la police, c'est résultat légèreté qui gagne dans institution qui la cause que Fantôme 509 yo qui ton gros tache noir, un gros tache sale dans institution PNH là. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Et tout nous joine résultat dernièrement là dans affrontement sanglant qui te gagne entre Fantôme 509 et la police. Tout ça parce que dirigeant nous yo peut prendre responsabilité yo, et c'est compréhensible parce que dès pour décider agir yo toujours paré pour yo colon étiquette de persécution politique réseau droit moun nèg ta coupier espérance toujours là y a mettez parole sous dos en façon pour empêcher agir en façon pour empêcher respecter mission prend en dedans institution. Voilà que dans émission hier là m'a parlé de Pierre Espérance, li fait exactement ça m'était attendre de li jodi an. Qui s'est cassé faire couvrir ça? En quoi est-ce de la persécution politique si des enquêteurs de la police voulaient interroger tout le monde qui gagne dans la cité dans le conflit avec Fantôme 509? Je n'ai pas intérêt pour dire ces persécutions politiques. Alors que nous disons que fait pays, nous toujours voulons cacher la vérité, nous toujours voulons brouiller réel puisque la police gagne. C'est normal si la police joint des éléments de formation dans téléphone ou bien dans déclaration yon agent bien un bandit dans Fantôme 509 yo bay qui t'a vle indexer yo richevri dans dossier Fantôme 509 là. C'est normal faut que la police interroge l. Donc pas de nécessité pour ni RNDDH ni politicien opposition yo, ni membre dans secteur privé nan mettre moun dans la rue pour nan reler persécution politique. C'est pas ça lié jusqu'à preuve du contraire. C'est pas ça lié. D'ailleurs, arrestation ou chevrien, pas déterminé culpabilité parce que l'a bien pour répondre question pour qu'on est si oui ou non la parler vérité. En Haïti, c'est pas la justice qui fait justice, c'est la raison du plus fort. Parce que si déjà RNDDH avec Pierre Espérance déjà prend devant y a de ces persécutions politiques, c'est dire di organisation là qui a remplacé ni PNH ni pouvoir judiciaire en tout. Faut que bagaille ça au suspend parce que vrai yo pas fait honneur institution dans pays. Non. Ça qui passe dans pays là extrêmement grave. J'aime toujours aimer dire pays d'Haïti qui a un problème moun, qui a un problème de responsabilité côté instance concernée qui pour tarer les haltes là, yo préférer la guerre quoi on en fait brigandage pour rien. Combien fois nous j'aime dans des instances droit moun sorti une note pour dénoncer agissement Fantôme 509 yo. Ni toute opposition politique là pas jamais dénoncer yo parce que c'est même structure yo ye. Donc là il est clair pour admettre que quoi Fantôme 509 là, yo allé trop loin. Policier qui nan Fantôme 509 yo, policier yo fait affrontement avec yo, c'est des frères d'armes yo. Est-ce que quand on même institution pour battre profond encore, pour tuer pour frère, dans intérêt bien-être, dans intérêt des politiciens arrogants, des politiciens doivent être longs, des politiciens qui pas petit payant, qui pas gon vraie idéologie pour peuple là, c'est faire l'argent, faire l'argent, faire l'argent, faire l'argent autant de fois que capable, autant que possible. Faut que Dieu nous commence à l'ouvrir, faut que nous commence à clair parce que dans ligne nous parler là, nous pas parler dans ligne pour faire pays, nous parler dans ligne pour contribuer dans la chute définitive d'Haïti. C'est absurde moi même pour me tendre quelques groupes mon a pour revendiquer action Fantôme 509 comme quoi c'est d'intérêt général. En quoi c'est intérêt général mes amis, en quoi?
Est-ce que c'est dans terroriser des civils innocents ou bien c'est dans mettre plus instabilité dans profit l'autre monde dans pays? C'est à la fois plaisant et absurde. Parce que bah ça fait moun ri, parce que l'océan haïtien ou pas konnen qui est-ce qui dans intérêt, ou pas konnen devoir, ou pas konnen obligation. Ou et comme si wap erop pomene autant qu'on moun fou k'ap divague k'ap prale ça et là sans que ou pa konn kote ou vle rive parce que sou ka di fantôme 509 yo a pa aji nan enterwo mes amis. Lò kwaze avec groupe fantôme 509 sa yo. Pa mande bonjour ta son machine service de l'état que ou mérite pour un travail que ou a bien fait nos institutions. Moun sa ou gen pou yo terrorizo y a pran clé a. Nan men ou y a pété kouri de yo. Ou a pisse sou. Yo très violent, très agressif. Donc nan ki ça c'est intérêt général là, nan ki ça c'est intérêt collectif là. Mes amis, kan grave nan pays. Kounya question pour nous poser tête nous, est-ce que arrestation yo Chevrian c'est un pas vers l'avant pour la PNH ou bien tout est-ce que c'est un pas vers l'avant pour la justice haïtienne? Jusque là, c'est relatif vu que Haïti pa ka rani rentre al pran Youri Chevri Saint-Domingue sinon que mette en place une procédure de demande d'extradition en bonne et due forme ou bien tout si Youri Chevri ta en contravention avec République Dominicaine avec loi dominicaine nan kounya pou Youri ta juge en République Dominicaine tout ça mande pou n'ta gen assez d'informations assez d'éléments d'informations qui t'a permettre nous prononcer mais déjà la NDDH mande un asile politique pour Youri. Encore Mathias qui refuge la République Dominicaine pour question persécution politique, il faudrait vraiment que nous ta considérer différents aspects dans la situation Youri Chevrian avant que nous aventurer nous dans tout ça qui vient pour avec question extradition, tout ça qui vient après, etc. Mais nous gen pour nous faire une émission spéciale toute information au fin tomber pour nous connaître est-ce que c'est un procédure d'extradition qui pral permettre que Youri Chevrian entre en Haïti ou bien si Youri Chevrian en contravention avec la loi dominicaine il déjà risqué pour le juger et condamner selon loi dominicaine. Donc c'est autant d'éléments n'attend pour nous capable porter bon analyse bon information pour vous sans que nous pas envoyer monter sans que nous pas bouille vide. Deuxième aspect pour nous considérer dans question fantôme 509 yo, c'est que n'a considéré yo comme un groupe nèg exam qui fait moun peur dans même niveau ak monsieur G9 famille allié. Est-ce que nous raconter m'rivé? Nous ka di m'rivé loin même pas l'expliquer nous pour qui ça m'rivé dans hauteur ça. Si nous ka considérer gros chef gang yo tant que terroriste tant que bandit parce que y a terrorisé tué vandalisé bien moun alors que les monsieur fantôme 509 ça yo tout yo prend la rue c'est du même ou pareil donc pas de grande différence pas de différence même et ni tout SPNH li même li pas jamais prend responsabilité pour au moins une fois. Nous t'as senti vraiment tes gros travail qui t'es fait que tout scandale ça t'as fait prendre béton puis les béton chaque jour chaque semaine pour mander la police à reconnaître syndicat SPNH dans l'idée pour t'amender changer condition vie policier dans l'idée pour t'amender amélioration parce que pas jamais gagne avec fait vraiment là on commence à poser tête moi question vraiment sur réelle place syndicat SPNH dans la police parce que yo pas ni dans réprimer yo pas dans dénoncer. Yo pa nan sectionné, yo pa nan pote nou vote pou policier. Ki place nou, ki rôle nou vraiment? A force que tout moun vle paraître comme leader, en pile nan nou, en pile nan leader sa yo, perdu rôle yo nan combat yo vle mener pour changement. Tant que par exemple, n'ap considérer Renal Courtois, même Jacques, tout l'autre policier fantôme 509 yo, yo c'est échec l'état, yo c'est échec classe politique là. C'est vrai que en pile nan nou nou souvent mette tête nou piwo. Parce que nous avons, mais qui ça nous a espéré de un groupe moun qui pas ka jouer même un minimum pour mener en vie? C'est toujours ça n'a bien comme résultat. Des moun qui facile à corrompre, des moun qui facile à changer de conviction, des moun qui facile à changer de position politique, de perception politique, dans profil argent, dans profil autre intérêt. Donc c'est ça. Je parle pour me faire la chasse aux sorcières moi-même. Depuis ou pas à droite, ou prend mauvais coup de filet. Nous avons des dirigeants irresponsables. Imaginons un gros pandémie coronavirus, ça, port de perte dans ce carnaval. Oui, carnaval là, c'est une tradition.
Mais contre mesures sanitaires, on peut comprendre que le carnaval, c'est peut-être un moyen pour Jovenel, un moyen pour l'exécutif rassurer l'international sous légitimité. Mais la vie mounio, et la vie mounio. Ouais, mon cher, nous faisons trop. Peuple là, c'est un pile, nous avons un peuple qui est tellement rancé, finalement, je ne sais pas comment ça me attendre parce que nous vivons par anticipation, nous vivons, nous faisons des excès de nouveautés alors que les conditions ne sont pas réunies. En tout cas, et voilà comme résultat, Bahamas décide de sanctionner. Ni vol, ni bateau pas prêtre sur le territoire Bahamas jusqu'à nouvel ordre. Nous ne pouvons pas parer pour faire pays. Haïti n'est ni gouverné ni administré, comme le disait M. Dorval. Parce que pendant que je continue là, je dénonce l'agissement fantôme 609, je dénonce la complice, je songe tout l'État qui a instauré bonnes conditions dans la vie. L'État n'est pas là pour faire la population prendre risque. L'État n'est pas là pour mener la population l'abattoir. Li la pour protéger vie et intérêt tout le monde. Ce n'est pas ça que nous faisons. Imaginons, on population a demandé la vie mieux et la vie mieux ou décide d'offrir la semaine dans ce carnaval pendant que nous avons une pandémie coronavirus. Et puis nous avons un stand MSPP qui écrit continue à prendre précaution, respecter distance, tout le tralala qui vient avec. Ce n'est pas possible. Si Fantôme 609 a exigé bonnes conditions la vie pour les policiers, eh bien, la vie mieux ça, nous pouvons faire. Une chose est sûre, la vie mignonne, c'est pas un changement gouvernement lié. Parce que là, nous n'avons aucune classe politique qui vient retirer le peuple haïtien dans la misère lié. Si ça là pas qu'à retirer la misère, on parle ça qui vient qui prend qu'à retirer la misère. Tout le monde sont en question de poche qui priorité. Alors que l'un vise quelques jeunes qui peut-être qu'à prendre lutte pour changement, secteur privé acheter consensus. C'est une question de belle machine, belle job. Dans le pays d'Haïti, tout est difficile, mais nous espérons que rien n'est impossible. C'est vrai que Léon Charles a garanti la craser groupe Fantôme 609 net. Craser lancer une, mais empêcher cerveau de recommencer à agir en séant l'autre. Moi-même, pour bon genre coordination dans le travail PNH à mener. Parce que monsieur, dame, dans le moment où nous arrivons, il faut que nous mettons un point final à la dérive. Ça, yo. Parce que là, nous n'avons aucune institution dans le pays qui est représentative vraiment. C'est-à-dire, institution là, mais autorité n'a pas fait preuve de moralité vraiment. Moralité est toujours remettre en question. Parce que soit il y a une corruption, soit parce que il y a une autre aspiration, il y a quitté mission institution là dans l'an. Trop ambition politique, c'est trop ambition politique qui a crasé pays. Tout le monde a envie président, tout le monde a envie sénateur, tout le monde a envie député, tout le monde a envie ministre, alors que chaque monde a place par eux. Un exemple simple. Ce n'est pas tout le monde qui fait droit qui a fini avocat, qui a songé notion, qui a fait valeur et métier. Tant que regardez ministre justice, regardez ministre Rockefeller. Rockefeller dit ça, les gens le veulent. Les grands mondes, ils ne viennent pas apprendre vocabulaire pour venir parler bel français. C'est pas vrai, non. Dans le pays, ça, jamais mettre des gens qui méritent place ça dans place ça. C'est le plus gros problème, moi. C'est le plus gros problème, moi. Je dis en question Fantôme 609, là. Que gen des politiciens, que gen des membres dans le secteur privé qui impliquent dans créer instabilité dans le pays, c'est pour la justice tendre, c'est pour la police. Arrêtez ou menez ou devant la justice tende ou pour déterminer culpabilité ou pas. La justice pas faite pour malheureux seulement, non? Logique la vle pour grand nègre toujours innocent, eh bien, jodi, faut qu'Haïtien prudent ne exige bon jan enquête pour déterminer complicité, culpabilité en pile moun nan zak Fantôme 509 sa yo. Ya! Yeah. Faut que nous prudent et faut que nous veatif. Qui kont moun nan? De pour complice, de pour coupable, fok ou rend compte. Parce que théoriser une population, théoriser, d'essayer de élever l'école pendant qu'on saute l'école, tout fatigué. Ah, c'est pas jouette. C'est pas jouette. Non, c'est pas jouette. Fok la police fait travail, fok la justice fait travail. Déterminer complicité moun ki complice, culpabilité moun ki coupable, et puis faire ça na faire. Cause en pile, mais faut que nous parler vraiment, faut que nous parler. Ma première, c'est toutes les amis qui ont encouragé le travail. Je dis nous, Kembe là, je prends un appel ou sous Tank 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial qui diffusait de lundi à vendredi dans le sein.
Principe n'a pas changé, toujours continuer à partager vidéo à tout le monde dans contact ou net. Commenter, liker, qui ton petit mot spécial pour moi, dis-moi soit aimé, soit pas aimé. Et puis travail à continuer. Rendez-vous ensemble pour demain dans même l'heure. M'a dit merci. À bientôt.